Bonjour à tous, c'est parti pour la troisième technique de la semaine. Allez, en cuisine! Bonjour à tous et bienvenue sur R2.fr. On continue la recette de l'ananas qu'on va donc un peu déstructurer. Donc on a déjà fait un carpaccio d'ananas dans les techniques précédentes qu'on a fait mariner aux 4 épices. Aujourd'hui on va faire des chips d'ananas. Donc on garde l'ananas qu'on a utilisé. Le but c'est de l'utiliser de plusieurs manières. Donc aujourd'hui on va faire des chips d'ananas. On va couper une partie. Voilà. L'autre partie, on la met sur le côté pour faire une émulsion d'ananas. On verra ça plus tard. Et là, tout simplement, on va couper des petits carrés relativement fins. Voilà. Je vais faire chauffer maintenant de l'huile à 160 degrés et on va s'occuper de ces chips. A tout de suite. Notre huile est chaude, donc on jette les bouts d'ananas. On les laisse revenir quelques minutes. Voilà, donc après 2 minutes de cuisson, nos chips sont prêtes. On va les réserver sur un papier absorbant. Donc je vous retrouve juste après. J'ai sorti donc les chips d'ananas du four, je les ai mises sur un papier absorbant pour les sécher tranquillement. À la sortie, on les saupoudre de sucre glace. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour la suite de la recette. À bientôt.